Bonjour. Nous faisons tous l'expérience de la souffrance. Peut-être plus particulièrement en ce temps de confinement. Cette souffrance est variée, multiple, plus ou moins intense. C'est tout un monde qu'on peut diviser en trois catégories. Tout d'abord, la souffrance sensible, physique, avec par exemple la maladie, l'asphyxie et jusqu'à la mort. La souffrance spirituelle, avec la douleur, le désespoir, l'abattement, etc. Sans oublier quand même, peut-être le plus important, la souffrance morale, le péché. Mais qu'est-ce que la souffrance ? La souffrance est un mal, c'est-à-dire une privation de bien. Elle est comme un trou dans une pomme, ou un verre à moitié plein. De même que l'ombre n'est que la privation de la lumière, la maladie est la privation de la santé. D'un autre côté, par accident, dit-on, la souffrance peut être vue comme un certain bien. Elle peut être comme le signal d'alarme révélant un mal plus profond, un mal intérieur. Par exemple, une rage de dents va comme révéler un abcès. Oui, c'est ça. La mal de dents va révéler un abcès, et sans cette rage de dents, nous pourririons de l'intérieur sans nous en apercevoir, comme c'est le cas des lépreux, par exemple, qui ne sentent plus la douleur. La souffrance peut être aussi l'occasion d'un approfondissement intérieur, d'une meilleure connaissance de soi. Elle est aussi une capacité à s'ouvrir à l'autre, une capacité à compatir, un chemin de croissance de notre humanité. Selon les mots de Jean-Paul II, la souffrance semble appartenir à la transcendance de l'homme. C'est un des points sur lequel l'homme est en un sens destiné à se dépasser. Ne nous laissons pas abattre par la souffrance. Prenons-la à bras-le-corps et profitons de cette occasion pour nous dépasser, pour nous transformer. Par exemple, cette souffrance due au confinement pourrait être l'occasion d'une plus grande prière intérieure, de creuser notre faim eucharistique, d'être plus attentif à l'autre, de développer notre attention aux plus faibles, de faire davantage confiance en Dieu et de nous abandonner à lui. Et profitons-en aussi pour nous arrêter. À vous de jouer. Soyez inventifs.